Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. J'y suis retournée du coup avec le déconfinement. Les rayons décoration et autres n'étaient plus bâchés, donc ça fait plaisir. J'ai pu trouver quelques petites choses et du coup, on va commencer tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, si vous aimez les hauls action, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je me suis munie de mon ticket de caisse et je vais vous montrer les petits articles tout de suite. Il y a un peu de tout. On va commencer au compte-goutte de ce que j'ai directement du coup sur la coiffeuse. J'ai trouvé une petite décoration comme ça pour dehors et même ça peut fonctionner aussi pour l'intérieur tout simplement. Donc c'est plutôt sympa. Ils font beaucoup de toute façon là avec les beaux jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites décos comme ça. Vous pouvez l'accrocher directement ou la poser aussi. Voilà, ça fonctionne très bien. C'était au prix de 2,99€, petite nouveauté, j'ai marqué, et d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné l'idée, j'ai marqué sur les petits emballages directement les prix, ça m'évite de chercher pendant 10 ans. Donc 2,99€, voilà, comme d'habitude de toute façon chez Action c'est pas excessif, on peut se faire plaisir à un petit prix, ça c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai repris des petites choses comme ceci, donc c'est maintenant qu'on a déménagé et qu'on a notre terrasse, du coup c'est vraiment un vrai bonheur. J'ai repris des petites loupiottes du coup comme ceci, c'est des petites loupiottes solaires que vous plantez directement. Nous on la met dans la jardinière du coup et puis arrivé le soir, on a une petite lumière blanche, ça fait toujours son petit effet. Et celle-ci était au prix de 1,19€ unitaire et en fait j'en ai pris une dans le bac mais je ne me suis pas rendu compte que c'était pas la même mais bon c'est pas très grave. Donc celle-ci est plus petite et celle-ci était au prix de 84 centimes. Donc voilà, donc, vraiment c'est pas très excessif et du coup... vous retirez ça, vous le tournez et du coup vous avez le pic directement pour mettre dans la terre. Voilà, petite astuce parce que moi personnellement je ne le savais pas. Voilà. Ensuite, toujours pour le jardinage et la terrasse, j'ai repris des petits gants comme ça en taille M cette fois-ci. Et là il y avait plusieurs modèles donc du coup je me suis laissée tenter par ce petit modèle-là. J'en avais déjà acheté en S qui me vont aussi. J'ai pris M. Et ce qui est bien dans ces petits gants, j'ai eu du coup. L'honneur de pouvoir l'utiliser avec mon petit cactus que j'ai acheté chez Leclerc. Et en fait, vous avez une partie à l'intérieur qui est plastifiée. Donc en fait, vous pouvez attraper n'importe quelle plante qui pique de style rosier, cactus. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc c'est plastifié, ça évite de vous piquer. Et du coup, sur ce côté-là de la main, c'est tout simplement du coup voilà, en résine, en tissu. Donc voilà, je trouve ça vraiment pratique et astucieux parce que ça évite de se piquer, de se faire mal. Et voilà, je trouve ça vachement pratique. Et ils étaient au prix de 87 centimes. Hein, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, j'ai trouvé une petite mignonnerie comme ça, trop mignon. Il y avait plusieurs petits animaux. Mais du coup, j'ai pris le petit koala. Il est trop mignon. Bon, l'étiquette, elle lui est un peu sur son nez. Je vais lui enlever ça de toute façon. Et du coup, c'est LED. Donc ça fait un petit genre de petit parapluie. C'est trop mignon. Franchement, pour mettre sur la terrasse, c'est vrai qu'Action... font voilà, des mignonneries, donc je trouve ça trop mignon, voilà. Enfin, je suis faible face à ça. C'était au prix de 2,99€ et du coup j'ai pris le petit koala. Il est trop chou. Ensuite, et après ça va être terminé pour la partie jardin, j'ai pris un petit coquillage comme ceci. Il me semble que je les avais vus avant le confinement. Voilà, une petite plante grasse en fosse dans un petit coquillage comme ça. Donc c'est pareil, ça fait son petit effet. Ça peut être des décos intérieurs et extérieurs, n'hésitez pas aussi voilà, à aller voir dans les décos extérieurs. Tout est dérivé. Hein. Moi, vous savez que j'aime bien dériver les produits, leur utilisation de base. Et c'était au prix de 2,79€. Voilà. Trop mignon. Ensuite, du coup, dans la partie, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Enfin, il n'y avait pas de nouveautés maquillage. Mais du coup, je me suis. Voilà. J'ai repris quelques petits accessoires indispensables que je n'avais pas beaucoup. Je vais vous montrer déjà au niveau un petit peu de la décoration ce que j'ai trouvé. Il y avait des nouveautés au niveau des poignées de porte. Voilà, donc c'est en diamant. Ceux-là sont très mignons. Moi je fais un petit peu la collection. Ça sert toujours pour faire comme mon chéri fait des meubles en palette. Du coup, on peut customiser avec des petites choses comme ça. Donc à chaque fois que j'achète, je trouve des petites choses comme ça, je les prends. Ça peut toujours servir. C'était au prix de 1,99€, donc c'est vraiment pas cher. Et du coup, c'est des petits diamants comme ça. Donc je les trouve vraiment trop mignons. Et c'est une nouveauté, je pense, parce que je les ai jamais vus. Ensuite, j'ai pris, pour finir dans la déco, une petite boîte comme ça. Il y en avait plusieurs modèles en forme de cœur ou en forme comme ceci. Il y avait d'autres modèles aussi en noir. Enfin voilà, au niveau des petites boîtes, de toute façon, la décoration chez Action, c'est vrai que c'est le top. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Elle est comme ceci avec toujours un petit... Ils font beaucoup les boîtes avec des miroirs comme ça à l'intérieur. Donc le petit miroir.
En dessous, elle est comme ceci avec quatre petits pieds et celle-ci était au prix de 3,33€. Donc il y a plusieurs modèles. N'hésitez pas du coup à aller voir dans votre action les modèles qui sont à votre disposition. Ensuite, j'ai repris des petits chouchous comme ça, parce que je suis un peu en manque de chouchous, à 99 centimes. Donc il y en a un avec des petites perles comme ça, et un en tissu un peu plus, vous voyez, comme ceci. Donc après, vous aviez plusieurs modèles, pareil, et en fait, c'est le lot de deux qui est à 99 centimes, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai repris un petit lot comme ça. Ensuite, j'ai repris les petites barrettes, toujours à 99 centimes. Donc voilà, les petites barrettes toutes simples, mais ça sert toujours. Donc ça, c'est des lots, il y en a 8 à l'intérieur pour 99 centimes. J'ai repris aussi une petite pochette d'élastique comme ça pour les cheveux. Il y en a 50 à l'intérieur et c'est au prix de 99 centimes aussi. Ensuite, j'ai repris aussi des petites barrettes comme ceci. Donc toujours un peu le même principe, mais celles-ci, elles sont un petit peu marbrées. Elles étaient au prix de 0,95 pardon, et il y en a 3 à l'intérieur. Et j'ai pris aussi des petits chouchous comme ça si je veux faire des petites nattes ou des petites choses comme ça. C'est vrai que j'ai jamais d'élastique comme ça. C'est au prix de 99 centimes et vous avez des pochettes, donc vous avez plusieurs modèles. Moi, j'ai pris la pochette où il y a les invisibles un peu et des noirs. Voilà. Et il y en a quand même 600 à l'intérieur. Donc, il y a de quoi faire. Après, je connais pas trop la résistance de ces produits-là parce que voilà, c'est la première fois que j'en achète. Je me suis pris aussi une petite ceinture au prix de 1,99€. Voilà, une petite ceinture toute basique. Mais c'est vrai que j'ai pas de ceinture. Et quand j'ai des hauts un petit peu amples, en fait, bah, c'est plutôt, ça peut être sympa avec une petite ceinture. Donc voilà, j'ai pris une petite ceinture toute basique comme ça, c'était la moins chère que j'ai pris, 1,99€. Après vous aviez plusieurs modèles et plusieurs tarifs. Et pour finir, une petite nouveauté par contre au niveau des boules de bain, elles sentent trop trop bon. Les petites boules de bain par contre j'ai pas marqué dessus, mais elles étaient au prix de 1,95€ unitaire. Donc c'est des nouvelles petites boules de bain comme ça, enfin moi en tout cas je les avais jamais vues, j'en ai pris que deux mais il y avait pareil d'autres variétés. Et on n'a pas le... Non, il n'y a pas spécialement de petites choses dedans. Enfin, de petites choses marquées en plus. Mais je les trouve trop mignonnes, voilà. Et en plus, j'aime bien quand elles sont quand même assez grosses comme ça, voilà. Moi, j'aime bien les grosses boules de bain. J'aime pas les toutes mini, mini, mini. Sinon, j'en mets plein dans mon bain. Mais sinon, voilà, j'aime bien celles-ci. Il y a aussi des nouveautés. Je ne les ai pas prises, mais vous avez des nouveautés de boules de bain. Des petites boules de bain, ils avaient fait à la banane. Et là, maintenant, il y a à la mangue. Ben, il y a plein de petites nouveautés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour... dans votre action et n'hésitez pas aussi du coup à vous abonner sur la chaîne si vous aimez ce genre de haul et à liker la vidéo si ça vous a plu pour me soutenir, voilà, ça fait toujours plaisir encore une fois. C'est tout pour mes petits achats, j'espère en tout cas que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée et merci de me regarder, ça me fait toujours plaisir, merci de me soutenir et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.